Il en a fait les gros titres de la presse. Ce pour moi, stationné et amené par le haras de Vince d'Adrien Delarocque. Ce pour moi, puisque à l'époque, Mikel Barzalona se levait au passage du poteau alors qu'il y avait photo pour la victoire. Mais il avait bien raison, puisque pour moi, pour André Favre, a gagné le fameux derby d'Epsom. La course qui fait les étalons et la course qui fait finalement les races, que ce soit en plat ou en obstacle. Et ce pour moi n'en est pas resté là, puisque pour sa première génération, ou l'une de ses premières générations, je ne veux pas vous dire de bêtises, il a sorti Wings of Eagle, gagnant lui-même du derby d'Epsom. Donc voilà, pour moi, est un gagnant de derby d'Epsom, père d'un gagnant de derby d'Epsom et fils d'un certain Mongeux, grand améliorateur pour le plat et l'obstacle. Son frère est gagnant de groupe chez André Fabre. Une très belle famille, exploitée notamment par Coolmore. Et pour moi, lui a bien sûr fait Wings of Eagle, mais pas que, hein, puisqu'il y a aussi une gagnante de groupe 2 pour Paul Nichols en haie Miss Heritage, qui est depuis devenue poulinière, achetée assez cher aux ventes. Pour vous et nous, qui a gagné en Italie, Look My Way, Wolf Prince, Grand Trianon, et plein de jeunes chevaux à venir, puisque ce pour moi est arrivé en France... il y a seulement quelques années, sa première génération conçue en France prend à peine 2 ans. Elle a été conçue à Cercy, avec des bonnes juments. Ça va arriver l'an prochain et il est depuis arrivé au haras de Vince, où il fait la monte à un tarif tout à fait compétitif, 2200 euros. Un fils de Mongeux, gagnant de la plus grande course européenne, le derby d'Epsom, et déjà père de gagnants de groupe en plat, Wings of Eagle bien sûr, mais aussi en obstacle. Voici pour moi. Stationné dans la Manche au haras de Vince chez Adrien Delarocque.